toutes, bonjour à tous. Reprenons ce chapitre 2 sur le tableau de financement. Nous avions vu que celui-ci était composé de deux parties. Regardons tout d'abord la première partie, qui part de l'idée que notre variation de FRNG eh bien, peut provenir de variation du passif stable ou de la variation des emplois stables, notamment de la principale de ses composantes, l'actif immobilisé. Ça peut être aussi des variations de ces deux éléments qui expliquent la variation du fonds de roulement net global. Ainsi, on peut avoir une diminution du FRNG pour les raisons suivantes. Ça peut être des emplois qui sont en augmentation. Par exemple, l'entreprise peut distribuer des dividendes. Ça va consommer de la ressource. Elle peut procéder à l'achat de nouvelles immobilisations. Ou encore, on peut constater l'apparition de charges à répartir sur plusieurs exercices. Là, on est face à une diminution du FRNG, une variation à la baisse, du fait de l'augmentation des emplois. Cette variation du FRNG à la baisse, ça peut être aussi une diminution des ressources. Par exemple, une entreprise qui réduit le montant de ses capitaux propres, ou qui procède à des réductions de dettes financières. Simplement un remboursement. On a alors une diminution de ressources. Par ailleurs, le FRNG peut être revu à la hausse simplement parce que des ressources supplémentaires durables apparaissent ou parce que des emplois durables diminuent. Ainsi, on peut avoir une augmentation de la CAF. On peut avoir des apports en capital. Je parle bien d'apports, je ne parle pas d'incorporation de réserves, qui elle n'amène rien de plus. Ça peut être aussi de nouvelles dettes financières qui sont émises. Autant de ressources nouvelles. Mais ça peut être aussi une diminution des emplois. Par exemple, une cession d'immobilisation. Ça peut être des immobilisations corporelles, incorporelles ou financières. Cette fois-ci donc, diminution des emplois. Et le cumul de ces quatre situations vont permettre de faire varier le FRNG. Ceci va être alors synthétisé dans la partie haut du tableau de financement tel qu'il apparaît ici. Vous retrouvez ce qu'on vient de voir. Sur la partie gauche du tableau, les emplois nouveaux, notre distribution de dividendes, les nouvelles immobilisations, incorporelles, corporelles ou financières, les charges à répartir sur plusieurs exercices, et puis ce qui va toucher une diminution des ressources stables, la réduction des capitaux propres et le remboursement de dettes financières. Du côté des ressources, eh bien, vous retrouvez ce que l'on vient de voir, là, également la capacité d'autofinancement, des cessions d'actifs, incorporels, corporels ou financières, mais c'est aussi une augmentation des capitaux propres par apport de nouveaux capitaux, par augmentation de ces capitaux sur certains thèmes qu'on verra plus tard. Mais c'est aussi de nouvelles dettes financières que l'entreprise a pu émettre. On va alors avoir un total des emplois stables qui va déterminer, un total des ressources stables. Vous voyez les montants A et B qui apparaissent. Si les emplois stables sont supérieurs au total des ressources stables, eh bien dans ce cas-là, on fera apparaître une variation du fonds de roulement net global sur la partie droite, emploi net. Si au contraire, on est face avec des emplois qui sont inférieurs aux ressources, on fera apparaître notre variation du fonds de roulement net global sur la partie gauche en tant que ressource nette. Pour faire simple, une variation négative du FRNG sera à droite, une variation positive du FRNG sera dans la partie gauche du tableau. La deuxième partie du tableau part du principe que le fonds de roulement net global est égal à la somme des deux besoins en fonds de roulement auxquels on rajoute la trésorerie nette. Et donc, par extension, on retrouve la même égalité pour les variations. Ainsi, la variation du fonds de roulement net global serait égale aux variations des deux besoins en fonds de roulement auxquels vient se rajouter la variation de la trésorerie nette. Et de cette extension, eh bien, découle la forme de la deuxième partie du tableau que vous retrouvez ici. Dans cette partie du tableau, eh bien, on aura trois parts différentes de niveau. Tout d'abord un niveau où sera étudiée
l'exploitation, c'est-à-dire le besoin en fonds de roulement d'exploitation, où on dira cette variation, eh bien, c'est le rapprochement entre la variation des actifs d'exploitation, stock, avance, créance client, confrontée à la variation des dettes circulantes d'exploitation, dettes fournisseurs et avances reçues sur commande. La comparaison des deux permet d'obtenir une variation nette d'exploitation, comprenez la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Si ce BFRE est positif, on parle de besoin. On le voit apparaître alors dans la première colonne qui est sur la droite. Si au contraire le besoin en fonds de roulement d'exploitation est d'un montant négatif, eh bien un besoin négatif n'est plus un besoin, c'est un dégagement que vous voyez apparaître. La même chose pour le hors exploitation, mais ce sera beaucoup plus facile puisque là on va confronter les autres débiteurs, comprenez les actifs circulant hors exploitation, à la variation des dettes hors exploitation, ce qui nous donnera la variation du besoin en fonds de roulement hors exploitation. Même principe, il y aura du besoin, du dégagement que l'on fera apparaître. La somme de ces deux variations, d'exploitation et hors exploitation, nous donnera alors le besoin en fonds de roulement de l'exercice, ou l'éventuel dégagement, bien sûr. Et puis enfin, le troisième niveau, c'est au niveau des disponibilités et des concours bancaires que l'on va travailler afin d'obtenir la variation de la trésorerie nette de notre entreprise. Vous trouvez ainsi un point A, B et C qui sont traités. Et un élément de vérification sera que si je prends le total A, le total B plus le total C, je vais retrouver le montant du fonds de roulement net global que l'on avait calculé dans la première partie du tableau. C'est ce que vous voyez apparaître sous le terme d'emploi net ou ressources nettes, suivant ce qui a été rencontré. Voilà, vous avez la présentation générale maintenant de ce tableau de financement. Je vous remercie de votre écoute.